Hey, salut les amis, c'est le Dragon Noir et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Plantes contre Zombies. C'est l'heure de continuer notre aventure dans ce jeu. La fois passée, on avait un peu commencé, on avait reçu pas mal de plantes et tout. On va continuer, hein. Donc voilà. Allez, la petite tête de zombie pour la fin. Ah bon, on l'a pas vu. Jeu bonus, voulez-vous découvrir un jeu bonus? Non, ça ce sera pour après quand on aura fini le mode d'aventure. Allez, par contre pour le niveau 9, je suis désolée mais je l'avais fait. Enfin, j'avais fait une vidéo juste avant mais ça a bugué donc voilà, je suis désolée. Donc on passe tout de suite au niveau 9. Allez, c'est parti. Allez. Dépendez de votre maison, dragon. Alors, tac, tac. Hop. C'est toujours efficace. Voilà. Pourquoi il y a un garçon? Ouais, y a pas de son. C'est bizarre. Non, je me suis trompée. Oh, que je suis bête. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son. Bon. Bones. Oh, ça va être chaud. Ça va, on gère. Faut juste que le zombie apparaisse juste là et par ici sur cette ligne et ce serait parfait. Voilà. Voilà un peu plus vite là. Merci. Oh non! Le zombie va peut-être bouffer ma plante. Non! Non! Touche pas ma plante, c'est bien, ouais. Sage. Oula, je reçois beaucoup de soleil. Mmh.
il est plus vite. En plus, il y a deux vagues. Si vous regardez au-dessus, il y a deux drapeaux. Et ça, c'est des vagues, en fait, des drapeaux. Ça fait toujours plaisir, hein. Fait le débile. Allez. On a reçu une lettre. Ah. Qu'est-ce qui est écrit sur la lettre? Bonjour, on va lancer une attaque totale contre votre petit logis.
Bien à vous, les zombies. J'adore l'orthographe, franchement. Une attaque est totale. Donc voilà. Ok. D'accord, si tu veux. Ah, le dernier niveau de ce petit monde. C'est bien ça. Allez, c'est parti. Ah, oh, c'est cool. J'aime bien. Avec les plantes qui... Je sais pas si c'est le lance peut-être. Ah non. Si c'est pas le lance. J'aime bien quand même. J'adore les jeux comme ça où il y a des plantes qui défilent sur la copie. Voilà, ça c'est fait, c'est bien protégé. On commence à mettre ça là. Hein. Allez, une double rangée. Voilà. Ça, on va économiser. Ouh, des doubles pistes plantes. Boum, regardez-moi ça. C'est beaucoup trop facile. Ah, ça devient compliqué. Ok. Là quoi? J'ai rien dit. Et voilà. Je vous dis que c'est beaucoup trop facile. Voilà, c'est super. Et alors quoi, il y a plein de carnivores, on en a plus. Regarde le zombie là, il est mort en moins de 2. Allez, boum. C'est le boss. Regardez-moi, la rangée est complète. Oh mon dieu, c'est du n'importe quoi tout ça. Allez, on est plein de trucs. Et pas. Et pas. Et pas. Pas. Boum! T'as vu tous les zombies qui sont partis là? Waouh! Le saut n'arrive pas à survivre.
Il meurt en moins de deux. C'est pas possible quand même. Le meilleur des zombies, hein, il va mourir quoi. Allez quoi. Non. Tu ne passeras pas. Oh, n'importe quoi. Regardez-moi ça. Oh. C'est du n'importe quoi. Là, on n'est plus dans Plante vs Zombie, là. Hein. Non, là, c'est fini. Hein. C'est un vrai champ de bataille, là. Ben voilà. Oh mon dieu. Si vous avez ça un jour en partie normale, ok? Partie normale. Sans mini-jeu ni rien, la partie normale. Eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Parce que là, c'était rempli presque. On aura un nouveau zombie. Et en plus, on est dans le nouveau monde. Bonsoir, dragon. Ces zombies n'arrêtent pas, n'est-ce pas? Vous remarquerez que ce n'est pas pareil de combattre les zombies la nuit ou le jour. Première différence, la nuit, le soleil est moins fréquent, moins présent. Vous aurez toujours du soleil grâce au tournesol. Heureusement, pour vous, vous disposez de champignons. Champignons. Plantez-en autant que vous voulez pour être en sécurité. Vous vous rendez compte? Les champignons vont nous protéger. Et ouais. Et en plus, ils coûtent 0. Hein. Il a bien dit qu'il aime que les tournesols produisaient toujours du soleil. Hein. J'espère que c'est ça qu'il avait dit. Voilà, ça c'est fait. You, oh il est là, allez hop. Allez, mon petit champignon va y arriver. Allez, allez. Oh non, il est en train de mourir en mangeant quoi. N'importe quoi. Allez, le soleil produisait. Hein. Enfin, le tournesol produisait des soleils. Allez, allez, hop, hop, hop. Plantez ça. Je sais pas que ça va faire planter des champignons et des champignons tout le temps. Hein. Allez, hop. Merci, il était temps. Allez, on va aider un peu cette petite champignon. Parce que, malgré qu'on sait en mettre beaucoup, voilà quoi. C'est pas vraiment la plante what the fuck qui existe. Parce qu'elle a une plus petite portée, c'est pour ça que je l'ai mis là. En fait, les petits champignons, là, les roses, ont une plus petite portée. Regardez, les champignons ont fait... Enfin, les champignons. Ah non, il y a le mec au journal. J'aime pas lui. Il est méchant. Regardez, il va s'énerver. Ah, ah ben ça va, on l'a. Je l'ai tué. Très très facilement. Bon, les champignons là, enfin les tournesols, vous allez vous dépêcher un peu parce que je veux pas que ça. Fait. Regardez-moi ces champignons qui envahissent tout. Voilà. Allez hop.
plus de soleil, plus rapidement. Encore là, je gère avec les champignons, mais voilà. On se dépêche, là. Surtout que c'est la fin, quoi. Champignon à soleil. Il va être beaucoup mieux que le tournesol. En tout cas, moi, c'est mon truc préféré. Allez. Jouez. Hop. Allez, quoi. Pourquoi ça va pas? Allez. Voilà. Défendez votre maison. Alors. Franchement, je vous dis, je l'adore, le champignon. Donc, on n'a plus besoin de prendre la plante à soleil, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, et voilà. C'est parti! Allez. Alors, les petits champignons jaunes, ils produisent des petits soleils. Regardez. Et ça donne du 15. Et oui. Bien malheureusement. Mais c'est déjà ça, hein. Et au fur et à mesure du temps, ils grandissent en fait. Voilà, c'est pas comme si c'était la pire des plantes. Ah ben non, justement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était la meilleure. Parce que quand ils grandissent, d'abord ils font un soleil entier, donc de 50. Et puis ils grandissent encore, ils font un soleil de 65. Je sais plus. Un trou noir. Allez, voilà, on a déjà la ligne complète. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus simple que les tournesols. Et regardez bien, hein, les champignons. Ils vont bientôt grandir. Autre type de jeu débloqué, découvrez dans le menu principal. Il y a plein de trucs qui nous attendent pour la fin de ces aventures. Et ouais. Bon, les champignons, ils grandissent un jour ou quoi là? Ah oh, mince, c'est pas si je voulais planter. Non, mais là, c'est exagéré, il doit grandir alors. Ça grandit pas? Ah ben voilà, regardez celui du milieu, il a grandi. Enfin. Et voilà, ça produit un grand soleil. Et voilà, un deuxième qui a poussé, celui juste à côté de celui du milieu. Ça va commencer. Allez, le troisième. Ça commence, ça s'arrête plus. Ça, ça fait pas du 25. Mais les grosses pensent que ça fait du 50. Le petit dernier pour la route. Et voilà, le dernier il a grandi. Voilà, une petite pièce. On t'a coupé la tête. Ça, faut pas me chercher. Moi, ceux qui me cherchent, ils se coupent la tête. Et ouais, moi, je suis comme ça. Allez. Hop.
ça c'est n'importe quoi. Ah non! Il y a le zombie, il a un saut sur la tête. C'est bon quoi. Voilà. Par contre les champignons, vous pouvez pas les lancer. Enfin, les planter pendant qu'il fait jour. Ça. C'est logique. Dernière main à quoi? Ça va être simple. C'est bon, on va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. À part s'il y a des cônes qui sortent du sol. C'est quoi cette blague encore? Ah, ça arrive en masse ici là. Là, pour finir, on n'aura pas vu la gigantesque transformation de ces petits champignons. Ils n'ont pas voulu grandir. Ou peut-être que c'est juste le zombie 2. Enfin, un peu contre zombie 2, je sais pas. Je sais pas. Un lance-fumée qui passe à travers le moustiquaire. Alors, on a quand même bien avancé, hein. Oh. Et mes clés de voiture. Comment ça, mes clés de voiture? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Le bric-à-brac de Dave le dingo est ouvert. Tenez, prenez mes clés pour éviter que je les perde à nouveau. Vous arrivez à temps pour le scoop. J'ai finalement trouvé tout un tas de nouveaux jeux que mes voisins me réclament. Comment ai-je pu me douter qu'ils étaient dans ma voiture pendant tout ce temps? Parce que je suis dingo! Foncez jeter un œil à la nouvelle section de jeux de ma boutique. Tenez, voilà quelques pièces pour que vous puissiez en acheter. On achètera ça plus tard. Allez, perdez pas une seconde pour tester un niveau. Mais j'ai pas envie. Bon, pour ma part, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On a pas avancé. On a récupéré plein de plantes. Tais-toi, Dave le dingo. Et donc voilà.
N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications. Mettre le petit pouce bleu. Et partager la vidéo avec vos amis, vos proches et tout. Alors, pour ma part, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!